Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que là, j'ai branché les CF4 et les RF7 MK3. Savoir que ce sont deux gros modèles de chez Klipsch. Et je suis vraiment content de les. Là, je les ai écoutés depuis un bon moment ce matin. Je me suis fait plaisir avant de vous faire des vidéos. Parce que c'est ça aussi, se faire plaisir quand même, aussi avant tout. Et après, vous partagez donc ce plaisir-là. Je vais vous faire écouter un petit son, les gars, un petit son acoustique. Forcément, les CF4, avec leur ampleur, leur dynamisme, elles sont vraiment ouf. Je vous dis, ces enceintes-là, c'est pas des légendes pour rien. Leur nom n'a pas été usurpé. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que certains les comparent avec les Klipsch Horn, parce que ces CF4 ont une dynamique incroyable. Elles ont un son qui est vachement naturel, en fait. Là où tu vas voir que la RF7 MK3, ça va être un peu plus volatile, j'ai envie de te dire. Mais déjà, il y a une chose qui y fait, c'est que là, tu as la compression qui se trouve vraiment. Bah, elle est un peu basse comparée sur la F7 où c'est plus haut. Donc, vu qu'elle est un petit peu inclinée, forcément, le son il se propage beaucoup plus dans l'environnement. Mais là, tu as vraiment un son avec la SF4 qui est assez centré, mais qui. En fait, tu as vraiment beaucoup de détails, tu as tout. Tu as énormément de choses qui passent avec la CF4. Voilà. Après, ce sont deux enceintes qui ont un son vraiment différent. Je vous le dis les gars, ne pas s'y méprendre. Franchement, moi pour moi les deux, je les garde. Franchement, je les garde. J'ai même pas envie de dire que bon, une va être meilleure que l'autre. Forcément, la CF4, elle a son truc. C'est indéniable, c'est indéniable. Mais la RF7 aussi, elle a vraiment un truc de malade. Et comparé à la RF7 MK1, j'ai pas pu la comparer, dommage, parce que j'ai pas eu la MK1. Après, j'avais eu la MK2. La MK2, tu vois, avec le pavillon qui est un petit peu trop refermé, du coup, ça fait un aigu qui est un peu pincé. Et là, tu vois que sur la MK3, ils ont vraiment fait un travail que je remercie Klipsch d'ailleurs d'avoir fait ce pavillon-là, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus aéré, avec un médium qui est vraiment qui est beaucoup plus présent que l'aigu. Tu vois, là, tu as vraiment une bonne alchimie entre les deux registres, chose que sur la MK2, il y avait pas forcément. Tu vois, fallait modifier, fallait mettre du tube, tout ça. Là, tu vois, je fais tourner mon transistor, mon Luxpan, le transistor. Et le son, ça reste limpide. Bon, après, on fera une autre écoute avec du métal pour que tu vois sur la CF4, c'est hyper dynamique, c'est très bon, enfin, tu peux passer de toutes les musiques, vraiment. Voilà. Donc, je voulais vous faire écouter le petit morceau et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, c'est vraiment. C'est là que je me dis, ouais, là, il y a du gros, là. Il y a du très gros matériel. Et combien même si tu n'as pas une pièce de ouf, avec des gamelles comme ça. Des enceintes comme ça, tu peux vraiment te faire plaisir. Voilà, je te fais écouter ça de suite et à tout de suite, les gars. Thank you.
Allez les gars, j'espère que cette première démo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, vous avez pu voir les différences entre les deux. Comment que c'est. Enfin, ça saute aux oreilles. Ça te scotche même quand tu vois l'impact et la présence sonore des CF4. Franchement, elles sont super impressionnantes. Et voilà, même moi, tu vois, je me surprends encore à me dire waouh, c'est quoi ces enceintes de malade? C'est quoi ces enceintes de malade? Je vais vous passer un autre morceau. Donc là, on va passer un petit morceau de métal. Comme ça, vous allez voir vraiment les différences avec du métal. À savoir que, tu vois, moi, je vais te dire juste un truc pour l'amplification. C'est pas trop. Tu peux leur mettre du 200 watts par canal avec un ampli qui a un très bon transfo pour les alimenter. Parce que les deux là, elles demandent du jus. Franchement, elles demandent du jus. Et si tu veux les exploiter, il leur faut de la niaque. Enfin, pour moi, c'est la base, c'est la base. Voilà, quand tu as des enceintes comme ça, il faut leur mettre l'artillerie. Faut pas se dire, ouais, on va mettre des petits amplis ou quoi. D'ailleurs, quand je vois des personnes qui font tourner ce genre d'enceinte avec des amplis home cinéma, Ok, un ampli home cinéma, ça va être bien, tu vas pouvoir regarder tes films et tout, mais quand tu écoutes des musiques en stéréo, tu as besoin de dynamique, tu as besoin de détails, de toutes ces choses-là, et qu'il faut que l'ampli, en plus, il tienne les boomers des enceintes, les boomers qui demandent du courant, même si c'est des enceintes au rendement, et bien forcément. L'ampli home cinéma, il va pas suivre. C'est pour ça que je vous conseille vraiment un ampli stéréo de Hi-Fi pour pouvoir savourer la musique sur vos enceintes. Même si les clips Shure F7, elles sont faites de base, il me semble, pour le home cinéma, tu vois. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas que ce modèle-là. Il y a d'autres enceintes aussi qui sont faites pour le home cinéma, mais que tu peux les écouter musicalement bah, en tant qu'audiophile. Voilà. Bon, bah, les gars, je vous laisse et on va passer la deuxième musique.